Nous allons voir un petit exercice sur comment travailler une continuité stable du flux d'air pour tout type d'instrument. Là aujourd'hui c'est avec un trombone, mais vous allez voir c'est peu conventionnel mais c'est très efficace. Alors on va se baser sur un grognement. L'idée c'est d'avoir un grognement en continu pendant qu'on va jouer pour justement ne pas avoir de fluctuations dans la quantité et le débit d'air pour avoir un son homogène et qui se tient dans la longueur de manière naturelle. Donc un grognement c'est tout simple. Quelque chose comme ça, ou alors un peu moins fort, peu importe. L'idée, c'est d'avoir quelque chose vraiment qui vient du fond des poumons et quelque chose de physiquement continu qui ne s'arrête pas. Par-dessus, on peut y travailler n'importe quel type d'exercice. Donc là, on va travailler des notes tenues, mais vous pouvez faire des arpèges, des gammes, ce que vous voulez. L'idée, c'est de jamais perdre ce grognement. Peu importe si le son, il n'est pas joli. Peu importe si la vibration, elle n'est pas standard ou elle n'est pas belle, l'idée, c'est de travailler la continuité du flux d'air. Et donc, je vais appliquer l'exercice, le grognement, puis je joue. Donc, je vais faire des notes tenues en descente de coulisses jusqu'au sol bémol en cinquième, mais peu importe l'exercice que vous appliquez dessus, ce qui est important, c'est de ne pas perdre le grognement. Voilà, là je n'ai pas perdu le grognement, je n'avais pas un joli son, mais ce n'était pas important. Le but de l'exercice, c'est d'être focus sur cette continuité d'air et ce grognement qui ne bouge pas, qui est stable. Après, dans le jouage, évidemment, on va enlever ce grognement, mais on pourra refaire l'exercice avec le même débit d'air, la même continuité, la même stabilité. Donc je vais refaire. Et donc grogner, ça m'a permis d'être stable dans mon flux d'air. Et donc après, dans le jouage, j'ai un jouage qui est stable, sain et sans fluctuation, voilà, du débit d'air. Et c'est ça qu'on recherche.